Oui FM. Ça s'est passé dans le morning du matin. Bonjour. Bonjour. Gros événement télé aujourd'hui. Oui. Ah oui, oui, on en parle nous depuis ce matin. Bien sûr. Ça se passe sur France 3. Samuel Saint-Etienne. Voilà, c'est ça. C'est à 18h10 ce soir. Je pense que toutes les personnes âgées autour de vous vont se sentir très très mal. Oui. Puisque donc c'est la première de Question pour un champion avec Samuel Etienne le journaliste et bien sûr sans Julien Lepers. Oh. Alors parce que nous on est au courant. Ça fait 2 mois qu'on nous a prévenus. Sauf que je vous rappelle que la moyenne d'âge des téléspectateurs de Question pour un champion, c'est 69 ans. Alors je suis pas certain que mamie Guiguit, 77 ans, ait vu passer l'info sur son mur Facebook. Ouais, ouais. Du coup, elle va être très perturbée parce qu'elle va être surprise tout à l'heure à 18h10. Ouais. J'espère que le SAMU a reçu une formation particulière ce soir. Mais on ne sait pas, mais ça va troubler des gens, c'est sûr. Mais bien évidemment. Alors, à mon avis, selon les chiffres, il y aura un taux de crise cardiaque qui va s'élever. Ouais. La dépression de la personne âgée va être en un gros pic. Et puis surtout, voilà, moi, j'aurai une grosse pensée pour toutes ces personnes aux cheveux violets. Voilà. Aux cheveux roses. Au final, en fait, les seuls qui ne seront pas touchés, c'est une bonne partie du public, puisque ce seront ceux qui sont atteints d'Alzheimer, puisque eux ne se souviendront pas en fait qu'il y avait Julien Lepers vendredi dernier. Ou alors ils prennent conscience toutes les 4 minutes. Oh putain, ça a changé. Ça a changé. Oh putain, ça a changé. Ouais, c'est pas faux ça. Oh putain, ça a changé. Ouais, surtout qu'il a même pas eu le temps de dire au revoir du coup. Mais non, il y a eu juste un pauvre message pourri. C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'on a prévu un petit hommage sur Clé TV. Bravo. En plus, alors moi je suis perturbé dès qu'on me change mes petites habitudes. Par exemple, moi le matin, je me lève, je vais allumer ma cafetière, je vais faire pipi, et une fois que je sors des toilettes, je fais couler mon café. C'est exactement comme moi. C'est très angoissant. Voilà. Sauf que si on me change mes habitudes, je suis pas sûr de boire mon café. Enfin, c'est pas le café que je bois. Ouais. Voilà. Je L'espresso. What peace. Ça veut dire quelle paix, donc excuse-moi, ça veut rien dire. Quelle paix. Donc voilà. Donc, c'est très drôle. En plus, je me dis, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Mais qui c'est, ce beau jeune homme de 44 ans? Oui, 44 ans, c'est jeune quand on est fan de Question pour un champion. Du coup, je pense qu'avec tous les fans de l'émission, il faudrait qu'on se réunisse ce soir, qu'on fasse une sorte de souper. J'allais dire un apéro, mais bon. Je pense un souper aux alentours de 18h. Et qu'on se mette en cercle, comme ça, on se donne la main. Et puis, on pense très fort à notre ami Julien Lepers pour ce bel hommage qui sera uniquement sur Clé TV. Le morning du matin de Oui FM, 5h30, 9h.